Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Écoutez ici, euh, ça va. Donc euh, je vous avais dit que je vous raconterais, ben, écoutez, je suis rentrée à 2h du matin. C'était très très bien, j'ai bien dansé parce que j'adore ça, bien chanté également. Euh, sinon, ben, écoutez ici, ça va, il n'y a, a pas de, de soucis particuliers euh, aujourd'hui. Voilà, et alors j'ai pensé à un truc dans la journée où je pourrais vous faire un tirage avec 12 jeux. Les 12, chaque jeu représente un mois et euh, j'ai tiré une seule carte de chaque jeu pour nous donner le thème du mois. Euh, Qu'est-ce qui va être euh, en, en exergue sur un mois Voilà. J'espère que ce petit tirage vous plaira. Donc là, j'ai commencé par janvier, évidemment. Alors tous les jeux sont de Dorine Virtue parce que me parle énormément. Voilà, parce que c'est dans ma vibration. Voilà. Alors celui-ci avec les anges de la nature pour mois de janvier. On te dit de élever tes vibrations, vos sensations. Intuitives sont des messages précis de la part des anges. Bon, ben voilà. Euh, janvier, vous allez euh, encore euh, travailler pour élever vos euh, vibrations et vous allez avoir des, des messages, hein, forcément. Euh, ben, je crois qu'on était déjà dans ce thème-là euh, la semaine dernière. Donc, euh, voilà. Ça va se poursuivre tout le mois de janvier. Voilà. Le mois de février. Il nous dit que l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc là, pour tous ceux qui ont envie de changement, besoin de changement, changer de lieu de vie, changer de travail, changer de partenaire, changer, bref, changer, changer de vie. Donc là, février c'est un, un mois propice. À ça. Ça, ça Vous aurez bien plus facile à le faire au mois de février. Et vous serez protégé, qu'on vous dit. Ah, et c'était avec euh, l'oracle euh, euh, carte divinatoire des saints et anges. Voilà. Celui-ci, avec les fées, pour le mois de mars, on nous dit projet professionnel. Bon, ben là, voilà. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Regardez voir cet argent qui tombe. Bon, si vous voulez changer, puisque en mois de février, ben, vous allez faire peut-être les demandes et au mois de mars, ça y est, vous changez. Euh, voilà, ça va être bénéfique pour vous. Disons que ce sont des mois qui seront propices à faire ça. Mois d'avril, avec l'abondance, repousser les distractions. Ah, là, il va falloir être sage. Votre objectif de vie ainsi que vos priorités nécessitent toute, toute votre attention. Il est temps de vous couper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà que, quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Voilà. Allez, au mois d'avril, on... On travaille, quoi. Grosso modo, on se penche sur les projets, sur le travail. On évite les distractions, euh, les, les pertes de temps, les, le téléphone et la télévision. Voilà. Ensuite, avec les archanges, au mois de mai, on nous dit que votre sensibilité... Ouais, elle est belle, cette carte l'archange agnel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. faites honneur à vous-même et à vos émotions. donc vous allez ressentir au mois de mai... Euh, c'est un joli mois, le, le mois de mai. mais vous allez ressentir ce qui se passe un petit peu partout là et laissez-vous, euh, laissez libre cours à ces émotions là. c'est... Euh, rendez leur honneur comme... Euh, comme ils disent... Euh, vous allez... Euh, c'est sûr que vous allez peut-être être un peu ébranlé, mais ça sera bon pour vous après. Vous allez mieux vous connaître. Au mois de mai, on va vivre des émotions. Alors, au mois de juin, avec Michael, il nous dit, respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Alors, ça, je, je dirais que c'est un petit message pour toutes les personnes qui sont peut-être mal accompagnées. Et du coup, il faudrait d'abord se faire une introspection et se dire comment, comment vous vous trouvez. Est-ce que vous n'êtes pas du genre à vous, à vous remettre sans arrêt en question, à vous dire mais je ne suis pas capable, non, de toute façon je n'y arriverai pas, voilà. Donc ça, respectez-vous et du coup, vous allez attirer les bonnes personnes. Oh ben, vous avez du travail. On a du travail au mois de juin. Alors au mois de juillet, avec Raphaël, Raphaël, il nous dit au mois de juillet d'accepter, de, cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Alors ça, c'est pour ceux qui, euh, je sais pas, il y aurait une séparation. Euh, ou peut-être que vous avez quitté votre travail ou quelque chose comme ça, mais il, ne, il faut vraiment se dire que c'est ce qui est bon pour vous. Il ne faut pas vous lamenter, il faut remonter les manches et vous aurez quelque chose de bien mieux pour vous. C'est un mal pour un bien. Donc, on était à juillet-août, août, message des anges, ils nous disent engagement, voilà, ben vous, suite à tout ça, vous allez vous engager, ouais. Il ben y a vraiment, c'est une année de changement, hein. je dirais, euh, on en a déjà parlé, mais année de changement. Alors, septembre avec les licornes. Attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc, ça va être une année de, de, de pause, un peu euh, un mois de, de pause. Il faut attendre pour que tout se mette en place et de toute façon, ça sera, ça sera bon pour vous. Votre patience sera récompensée. Alors, en octobre, avec les anges, toujours. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité, mais avec bienveillance. Bon, ben voilà, ça avance. On est toujours euh, dans, dans le progrès. Euh, voilà, vous êtes euh, Parlez de vous, mais avec bienveillance. Là, je pense que on va vivre une, euh, une année 2024 avec des émotions beaucoup. On va apprendre à se connaître avec les sirènes et les dauphins, on a l'amitié planifier une journée pour divertir avec un ou plusieurs amis. Alors le mois de novembre c'est avec un mois où on va recevoir, on va échanger avec des amis, on va avoir besoin de ces amis là pour, pour se réchauffer, pour réconforter, pour vivre des bons moments d'amitié et le mois de décembre, il va falloir, ben voilà, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons près de vous et cette situation depuis sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon ben, je crois vraiment là et là c'est avec l'oracle des anges aussi. Ils sont tous différents mais euh, voilà, ben, je crois vraiment qu'on va être dans une année charnière pour le changement. Notre changement d'attitude, notre changement spirituel, notre changement de travail, de, de tout. On est sur le changement. Voilà, un petit tour, juste pour que vous rappelez les, les cartes. Si vous avez envie, vous pourrez conserver et puis euh, regarder à la fin de chaque mois si, si ce que j'ai sorti correspondait un petit peu à ce que vous avez vécu. Voilà, euh, je vais vous laisser. Euh, je n'ai pas réussi à répondre à aux multiples, multiples euh, entre commentaires, messages, sur... Euh, les réseaux sociaux sur euh, en privé et tout. J euh, voilà, je vais essayer demain. Je vous répondrai. Hein. Mais ne soyez pas fâchés, ce n'est pas à la minute, hein, parce que j'ai un nombre impressionnant. Et aujourd'hui, ben, j'ai d'abord privilégié les personnes qui avaient besoin d'aide. Voilà. Donc j'ai ai déjà aidé. Après, j'ai fait mon travail, évidemment. Donc demain, s'il n'y a pas de gros coups. <laughs> Je je réponds à quasi tout le monde. Voilà. Allez, je vous fais des gros gros câlins et puis je vous dis à demain.